à Nice, c'est cette petite zone commerciale située entre Saint-Barnabé et Blancard, dans lequel les studios de Canis se sont installés. Et donc, nous, on a une activité qui est principalement de la répétition musicale et chorégraphique. Donc, on a des studios de musique, des studios de danse, et les gens nous louent ces espaces à des fins de répétition. Donc, on a 6 studios équipés pour la musique, avec batterie, sono, ampli guitare, ampli basse, micro, plus le petit matériel, les stands pour les guitares, les supports de partition. Voilà, le studio est complètement équipé, les groupes arrivent et sont tout de suite en condition pour jouer. Ensuite, donc, on a 2 salles de danse, une salle de danse de 130 mètres carrés, une salle de danse plus petite de 100 mètres carrés. Et là, on s'en sert pour la répétition, mais également pour les cours. Donc, on a une école de musique et une école de danse. Une école de musique dans laquelle on enseigne pour la guitare, la basse, la batterie, le piano, le saxophone, mais aussi la trompette. Le studio de Canis dispose également d'un studio un peu plus grand, qu'on appelle studio scénique. Donc c'est une pièce qui fait à peu près 150 mètres carrés avec une scène qui nous permet de faire répéter les groupes en conditions scéniques, mais également de faire aussi des petits concerts, des petits showcases de présentation pour les groupes et de présenter le travail qui est effectué en répétition, quoi. En résumé, on est une école de musique, une école de danse, des studios de répétition, une petite salle de spectacle, fait des petits événements festifs, on fait des soirées salsa, des soirées roda plutôt brésiliennes.